Séverine Ferrer, figure de la télévision dans les années 2000, s'est reconvertie. Elle se consacre aujourd'hui au théâtre. Cette mère de 45 ans a trois fils, dont le dernier, Milo, est âgé de 15 ans. Dans l'émission 50 Inside, l'ancienne présentatrice de Fan 2 nous présente son enfant qui semble vouloir suivre ses traces en devenant comédien. Quand j'étais petit, j'allais voir les répétitions de théâtre de ma mère. Point, je pense que c'est aussi ça qui m'a donné envie. Je suis très content de pouvoir partager ça avec elle, a expliqué le jeune homme dans l'émission de TF1 diffusée ce samedi 22 avril. Après une carrière passée à interviewer les plus grandes stars de la chanson internationale, Séverine Ferrer semble ravie de partager cette passion avec son fils. Forcément, ça nous rapproche, a reconnu la comédienne. Maintenant, quand je suis sur les tournages, pour accompagner Milo, NDLR, je suis contente quand on me dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Je suis là, moi, je suis la maman de, a raconté Séverine Ferrer expliquant sa joie d'être maman. En fait, je crois que c'est mon plus beau rôle, j'adore. Nouveau projet au théâtre. Séverine Ferrer travaille en ce moment au théâtre pour monter son dernier projet, La Voix des Femmes. Son idée est de présenter 45 femmes qui vont se partager la scène à tour de rôle et lire le texte d'une autre sans jamais dévoiler l'identité de son autrice. Son spectacle sera à découvrir à partir du 3 mai dans toute la France. Aujourd'hui, on a envie de servir à quelque chose, quelque part, d'être utile. Et nous, notre cause à nous, c'est la cause des femmes, a indiqué l'épouse du journaliste Frédéric Mazet. Entre les années 1997 et 2005, Séverine Ferrer présentait l'émission musicale favorite des adolescents, Fan 2. Beyoncé, Britney Spears ou encore le boys band des 2B3 ont défilé devant son micro. Grâce à cette production audiovisuelle, les fans avaient l'opportunité de rencontrer leur idole. Jennifer Lopez, un jour, a rencontré une de ses fans. Il était prévu qu'elles passent l'après-midi ensemble. Il y a eu un tel coup de cœur entre cette jeune fille et Jennifer Lopez, qu'elle est restée 3 jours avec elle. Elle l'a emmenée dans les défilés de mode, dans les restaurants, dans les boîtes de nuit, s'est souvenue l'ex-animatrice qui a ensuite co-présenté Loft Story, aux côtés de Benjamin Castaldi. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit Photo, capture d'écran TF1.